va démarrer de l'avant. On finit chaque zone en menuiserie, mais aussi finition, peinture, les fonds, un peu tout, et on ponte. Une fois que les peintures au pistolet sont faites, c'est-à-dire les grandes peintures de cloison, on ponte de façon à pouvoir être hors poussière pour les vernis. Dans le détail, on fabrique à la fois des planchers, des végrages, de l'isolant. Tout ça, c'est des trucs moins spectaculaires, mais qui sont faits. C'est-à-dire quand on dit que là, une cabine est terminée, au stade actuel, pour nous terminer, ça signifie que toute la menuiserie a été faite, toutes les finitions ont été faites, et qu'on retourne dans cette cabine uniquement au moment de passer de la plomberie, de l'électricité. Et après, on met les coussins, les rideaux, et c'est parti. C'est bien beau d'avoir des ponts flush deck. C'est très pratique pour tout ce qui est manutention, travail, et même pour la sécurité des gens à bord. Mais ça veut dire pas de roof, pas de hublot. Donc là, on a refait ce qui s'est toujours fait avant, une claire-voie. Donc elle n'est pas encore faite, hein, mais elle va à cet emplacement-là. C'est-à-dire qu'elle est rehaussée et claire-voie à l'ancienne, voilà, vitrée sur le dessus, qui s'ouvre en papillon. Donc ça a un petit côté rétro sympa. Mais en même temps, la taille... Et là, elle est calculée du fait que le carré qui est en dessous a besoin de lumière, mais a aussi vocation à être une cale quand on fait du fret. Et donc, c'est notre panneau de soute. On se trouve être là sous la corne de la misaine, à savoir la corne de la misaine, c'est notre mât de charge. Donc, on est vraiment au centre du bateau, à l'endroit où on va charger. Et ça devient un panneau de soute à ce moment-là. Bah, c'est ce qu'on appelle la chambre de veille. Hein. C'est l'endroit du bateau où le plancher est le plus haut. C'est-à-dire c'est à peu près le seul endroit du bateau où on voit un peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc là, on a cherché à monter le plancher le plus haut possible sous un roof qui est là, qui se finit juste devant moi. Bah, là, on accède par cette porte-là, on va dans l'atelier. Et de l'atelier, on accède à la soute moteur qui est sous le cockpit. Donc voilà, partie atelier, partie mécanique. Tout ce qui est électricité, armoire électrique, tout ça, ça se trouve dans l'atelier. Et de ce côté-là, c'est la cuisine. Donc là c'est un petit peu un choix, on a fait le choix d'une cuisine séparée. Mais par contre, la cuisine me sert de coursive pour aller à ma cabine qui est derrière. La chambre de veille, c'est vraiment la zone d'entrée qui distribue les différentes cabines. Qui permet de se déshabiller, il y a la penderie pour sécher les fringues, il y a le poêle sur lequel est posée la cafetière, et il y a aussi nous un semblant d'électronique, un peu d'informatique pour la navigation. Donc en gros on peut considérer qu'en avant de cette cloison là, nous quand on travaille, on n'a pas à y aller, c'est l'espace des passagers. Le carré, le salon, salle de bain, leur cabine. Et nous, quoi qu'ils fassent, on a notre espace pour travailler. Bien pensé. Ça, c'est la cave à bouffe en dessous. Donc les casiers, c'est parce qu'il faut épouser la forme du bateau. Et toute la partie sans casier, en fait, c'est parce que par contre, là, on met des rails et des caisses. Et on a déjà calculé, on rentre 1350 litres de caisses, sans parler des casiers. À l'usage, quand on va dans la cave, on lève pas les planchers, ils sont fixes. En fait, la cave, la descente, elle est là. La cave, on va par ici. Et d'ici, on a accès à tous les casiers, à toutes les caisses. Voilà. Bon, je tiens pas debout dans ma cave, mais je me promène à croupi dedans. Ouais, ouais. Voilà. Là en dessous on a le congélo, c'est ça? Et voilà, et le congélo est. Voilà, le congélo est déjà en place. Donc fait sur mesure pour épouser au mieux la forme de la coque. Donc, ça ressemblait un peu à une baignoire, on a pensé en faire un jacuzzi, mais on s'est dit qu'avec les barreaux au milieu, ça allait pas être pratique. Ouais. Penderie, le vaisselier au-dessus, le frigo dans le quartier. Hein. Donc tout ça c'est des trucs qui avaient été déjà pensés. Après, on vérifie, on fait les niveaux exactement. La marche qui est là, je ne pouvais pas définir avant d'avoir essayé 15 fois cette porte, de dire il faut cette marche-là. On savait qu'il en fallait une pour passer à l'aise la porte sans se cogner la tête. Mais voilà, là, c'est le genre de truc où on y va, on sait que c'est la bonne hauteur. C'est la bonne hauteur pour du bois. De toute façon, à partir de là, c'est un peu chez moi, donc tant pis pour les autres.
Donc voilà, et puis donc après bah, la cabine du second est ici quoi. Donc là c'est pareil, optimiser au mieux, que ça soit quand même centré, mais pas trop dans le passage. Et bah là on voit l'isolation est en cours sur cette partie là. Donc là on est en ajustage d'isolation. Et donc là on descend dans le carré. Et donc là on descend dans le carré. Et bah en gros, en version soute, pour le fret, ça serait comme ça. C'est nu comme ça. Même les réservoirs supplémentaires de gasoil qui vont aller sur le côté, à la limite on peut les virer si on veut. Bon, il y en a qui par contre restent, c'est ceux qui sont sous le plancher. Là. Il y a quand même déjà quelques centaines de litres sous le plancher, il y en a encore sur le côté. De toute façon, le but là, sous le carré, on rentre pas loin de 2500 litres de fioul. Malheureusement, il faut en passer par là parce qu'on a un gros moteur, un gros électrogène et du chauffage. Et après, ces réservoirs latéraux sont habillés, ça devient les banquettes de carré. Là, on arrive chez les passagers. Donc, très classique, hein, les toilettes de ce côté-là, la salle de bain de l'autre côté. Et après, on arrive dans les couchettes. Toute cette zone qui n'a pas de grands panneaux de pont. Bon, là, ils n'y sont pas les panneaux, mais ça reste de toute façon, ça sera des petits panneaux. Donc, on a cherché une peinture claire et des boiseries claires. Le but, c'était d'avoir un truc un peu lumineux, quand même. Donc, ça distribue. Couchette d'un côté, couchette de l'autre. Donc c'est exactement symétrique. Voilà, il reste un peu de vernis à faire sur les entourages de portes, sur les couchettes, mais sinon devant c'est déjà terminé. Voilà, donc ça c'est nos vegrages, hein, tout le principe du vegrage du bateau, ça c'est traditionnel. C'est biseauté à 30 degrés, ce qui fait que ça respire, mais qu'on ne voit pas l'isolant qui est derrière. C'est pas jointif. Et bah voilà, quand l'électricien il vient bosser, après une fois qu'il a fini, tac, il n'y a plus qu'à mettre ça. D'accord. C'est ce qui va fermer les gaines techniques. L'aménagement, c'était le deuxième tiers du bateau. Le troisième tiers du chantier, c'est l'équipement. L'idée, ça serait qu'en mars 2008, on aille fermer la boîte.